Et bonjour tout le monde, c'est Tom de 1966. Après trois putains de longs mois d'absence, pour des raisons personnelles, que je vous dirai pas, on se retrouve pas pour du Minecraft, mais pour des solutions de Rubik's Cube. Minecraft, je me suis dit, oh, vu que je suis bon Rubik's Cube, je suis Minecraft, je vais essayer. Il y a un peu de faire des vidéos solutions Rubik's Cube, par exemple. C'est pas mal, j'aime bien. Rubik's Cube, une petite passion à moi depuis pas très longtemps, à peine un mois, même pas. Je vous dis juste pourquoi. Tout simplement, ça commence parce que il y a un mec de mon collège qui a créé un club Rubik's Cube. Depuis, plein de mecs se trimballent avec des Rubik's Cube dans leur collège. Donc moi, vu que j'avais un Rubik's Cube depuis 2 ans que j'utilisais pas, je me suis dit un jour, allez hop, je le prends, j'amène au collège. Et depuis, voilà, ma passion, Rubik's Cube. Commençons tout de suite pour la solution d'un Rubik's Cube Pyramix. Style pyramidal, c'est pas un normal comme le 2x2. Qui est complètement mort vu qu'il manque une pièce là. Voilà. Et ben je vais vous faire la solution de ce Rubik's Cube là. Commençons, je mélange. Tac. Tac, 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 tac. Voilà, on va dire que ça s'est mangé. Sachez que moi je commence toujours par la même méthode. C'est-à-dire que là, j'essaye déjà de remettre tous ceux qui sont en haut, bon. Celui-là est bon. Celui-là bon, celui-là bon, tous bon. Moi, je commence toujours par la face jaune, en essayant de faire une croix. Une croix. Comme ça. Une sorte de croix jaune. Donc, pour ce faire, je vais déjà commencer par remettre normal. Voilà, comme avant. Je commence déjà par essayer de mettre 2 jaunes bons, par exemple là, non. Là, oui. 2 jaunes bons. Il n'en manque plus qu'un. Je cherche l'autre. Il est là, par exemple. Il est bien placé. Je mets, par exemple, les 2 bons ici. Le mauvais ici. Je fais comme ceci. Tac. Tac. Et voilà, croix jaune est bonne. Maintenant, il faut que je termine la couronne, la ligne. Et la face avec les côtés ici. Alors là, je cherche le jaune rouge. Je cherche le jaune rouge, je vois qu'il est ici. Donc je le mets ici pour qu'ensuite je fasse ça. Là, il est bon. Donc pour ce faire, la technique, faut le mettre ici, comme si, comme ça vous tournez, il est bon, mais vous essayez comme ça. Alors la technique, c'est droite. Alors, désolé, je recommence. La technique, c'est droite, bas prime, gauche, haut prime. Et là, il est bon. Vous faites ainsi pour tous les autres. À nouveau pour le bleu. Vous le mettez bon comme ça. Même s'il y a le vert à l'envers, si ce n'est pas grave, vous faites ça quand même. Alors, droite, bas prime, gauche, haut prime. Il est bon, il manque plus que le vert. Le vert qui est ici est toujours la même chose. Mince. Droite, bas prime, gauche, haut prime, et voilà. Votre couronne est. Mince, ça a tout mis. Sinon, soit ça vous donne directement bon, c'est cool. Ou alors, ça vous donne seulement en première couronne, ça c'est sûr, et voilà. Qu'attendez? Je vais vous mettre dans un autre cas. J'essaye de remettre normal. Voilà. Normalement. Voilà. Par exemple, parfois. Soit ça vous donne directement tout de bon à part 2 côtés. Là, dans mon cas, il y a 3 côtés. Si vous avez 3 côtés. De mauvais, et bah faites cette technique là: haut, droite, bas, droite, haut,
droite, bas. Là, regardez, toujours étroit de mauvais, donc ça veut dire que je recommence encore une fois. Attends. Haut, droite, bas, droite, haut, droite, bas. Et voilà. Plus que ces deux-là, il vous manque. Donc, celui-là est bon, celui-là est beau. Ces deux-là sont bons, la couronne du bas est toujours bonne. Tous les coins là. Il faut faire maintenant ces deux-là. Et vous allez faire la technique. Cette technique-là. Alors, la technique, c'est. Et si je. Faudrait que je m'en souvienne. Alors. Bas. Bas prime. Non. Bas prime, bas. Haut prime, haut. Droite. Haut. Gauche, bas. Et il est fait. Et voilà, c'est tout. Je vous, pendant que j'y suis, je vous apprends une petite technique comme ça. Cette technique-là, pour le mélanger et le remettre normal, cette technique, c'est bas, bas prime, haut, haut prime, bas, bas prime, haut, haut prime, bas prime, haut, haut prime. Vous faites bas, bas prime, haut, haut prime, trois fois en tout. Voilà, donc 1, 2, 3, et voilà. Et à une main, par exemple, je tiens là, je fais... Voilà. Et bien, voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. Sachez que je vais tourner une autre petite vidéo de Rubik's Cube juste après. Mais pour le moment, je vais me détendre un peu parce que là, voilà quoi. Donc, voilà. Petite vidéo terminée pour résoudre le Pyranix. Maintenant, vous savez le faire en espérant que je ne me suis pas gouré à un endroit. Et sachez, vous êtes super. J'imite Newtitov, bye sec. Restez comme vous êtes super. Bye tout le monde.